Bienvenue, bonjour à tout le monde. Bien. Minou. Connectons-nous massivement, connectons-nous massivement s'il vous plaît. Ah, seigneur merci. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour cette matinée spéciale pour chacun de ceux qui sont connectés ce matin. Bonjour encore à tout le monde, bienvenue à chacun de vous. Et s'il vous plaît, prenons notre responsabilité en main, partageons la vidéo au maximum. Partageons-la au maximum. Seigneur, merci pour ta grâce. Bonjour à Choupi, bonjour à Bapam Zachary, bonjour à Olivier Mathieu. Arnaud. Voilà, bonjour. À Déesse. Bonjour à Lucha. Bonjour à Nyango Emma. Oh, maman Nyango, comment tu vas Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde la santé et la vie. Bonjour à Loré. Bonjour à Christelle Fosso. Bonjour à Marianne Mbo. Marianne Mbo, la photo de profil c'est un pied. Voilà. Bonjour à Hélène Hélène Henge, le Massa. Kemjo Patrice. Bonjour. Mesti Gavouka. J'aime beaucoup ce nom. Hein? Mesti Gavouka. C'est comme du grec. Arnaud et O. Voilà. Bonjour à tout le monde. Connectons-nous sur les partageons. La vidéo au maximum. Bien. You know. Seigneur, merci pour ta grâce. Bonjour à Bénédicte Munanga. Bonjour à Stefi Miafo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Kemjo Patrice. May the Lord bless you this morning. We are happy to have you in our midst. Bless the Lord for his grace granted to us. And this morning we have to share on some very, very important issues. Mm. I welcome each of you. I'm so happy to share this moment with you, this precious moment. With you. Kiela. Florence Jumisi. Um so I, I was saying that we are we are so blessed to be with you this morning. Bless the Lord for His faithfulness, for His mercy, for His goodness, for um, everything He has done for us, for everything He hasn't done for us, and for everything he will do for us. you see. Um, sometimes in our lives, we have to, to put God. We have to. We have to, to. To. How will I say it? How will I put it? In our life, we have to do. Uh, we have to take God as our priority. You see, our first priority. If God is your priority, then for Him, you as well. You will be His priority. You see, it is very important as Christian. So this morning we have to share on some very very. Very, very important issues, as I said before. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ. Connectons-nous, partageons la vidéo dans nos groupes et surtout envoyons les cœurs pour faire subsister notre vidéo. Envoyons des cœurs en abondance. Invitons les gens et envoyons les cœurs. Very, very important. Let us like our video, you see. Because, you know, we have many, many op opponents. That don't us uh, want, want us uh, to do what God has has called us for. you see, this is the problem of this generation. as we are working uh, just to go beyond the borders with uh, the gospel of Christ. there are people, the enemies of the truth of Christ, who don't want us to say what we are saying, to do what we are doing, to do our job because we have been called for this, you see so. I think that uh, what we can do as persons, we have just to share our video, to share and invite our friends, invite our groups to come and share this precious moment with the Holy Ghost. And I believe that the grace of God will be with you. Yes, God will grant you His favor, He will open closed doors in your life, and you will experience God in a new way. Yes that is that is my prayer for you you see this is the aim my aim for you yes god will open a special door for your life in your business in your marital life in your projects uh, may the lord accomplish uh, your dreams you see may him fulfill your dreams and bring them to reality may the lord bless you so Nous vous disons merci au nom de Jésus-Christ. Et comme je disais tout à l'heure, nous allons parler de, de la question de l'empoisonnement des hommes de Dieu ce matin. Mm. Mm -hmm. Les L'empoisonnement des hommes de Dieu. On doit voir ce problème-là. Vraiment, on doit aller très profondément. C'est une question qu'on doit euh, aborder. Je voudrais présenter déjà mes condoléances ainsi que les condoléances de toute la congrégation baptiste camerounaise et de la paroisse Rema dont je suis le chef du poste missionnaire, euh, à la prophétesse Raïsa qui a perdu son mari, je crois que c'était hier. Donc vraiment, nos condoléances. C'était pour ceux qui le connaissent, le jeune prophète Eric, euh, qui est mort hier, je crois que c'était hier. Donc nous avons été choqués. Nous avons été très choqués. Je présente à notre soeur mes condoléances ainsi que les condoléances de toute notre communauté. Nous avons été beaucoup, beaucoup choqués. Beaucoup choqués. Et je pense que ce qui m'a été rapporté, je vais revenir dessus tout à l'heure, ce qui m'a été rapporté, et je pense que c'est une source fiable. C'est une source fiable. Il n'était pas malade. Donc on va essayer de revenir là-dessus. Que Dieu bénisse chacun de nous. Père, merci pour ta grâce, pour ce moment extraordinaire que tu nous accordes d'être connecté à toi. Seigneur, il y a des choses que nous devons comprendre et connaître, des choses qui sont importantes pour nous. C'est des choses qui nous donneront une valeur qui soit précieuse, pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes et pour nous-mêmes en tant que personnes. Voilà pourquoi je prie que ta main forte et puissante soit étendue dans nos vies, Seigneur, pour nous aider à voir ton précieux, à faire de toi notre précieux et surtout à savoir les secrets et à vivre avec ces secrets-là qui nous permettront de pouvoir accomplir ce pourquoi tu nous as appelés. Seigneur, que tout piège de l'ennemi contre nos vies soit en athème. Tu nous en délivreras. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Seigneur, tu nous délivreras du filet de l leur. Tu permettras point que l leur ait raison sur nous. Garde nos vies, qu'elles te soient précieuses, car tu les as rachetées à grand prix au prix de ton sang et de ton sacrifice sur la croix. Béni sois-tu, Seigneur, prends contrôle. Je prie que toute personne qui me suit ce matin, qui a un problème quelconque, qu'elle reçoive un miracle spontané. Seigneur, que ta gloire soit manifeste et que ta puissance parle en notre faveur. Béni soit ton nom. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons parler de, de ça. Et vous savez que ce samedi, nous avons la rencontre de quatre forgerons. Ici, ayant des pardon. Il faut descendre la semaine Minou. elle est montée sur le canapé. Nous avons la rencontre des quatre forgerons à la bire, par la grâce de Dieu, ce samedi, à partir de 9h à la bire. Soyez très, très nombreux à être présents. Qu'on ne te raconte pas seulement, mais il faut que tu sois présent. Ne reste pas à la maison. Déplace-toi, viens sur place si tu peux voyager. Voyage, prends ton bus de tous les quatre coins du Cameroun. Je vous invite de tous les quatre coins du Cameroun, à ne pas manquer, à ces journée. C'est une seule journée, unique. Ça dit que c'est un programme unique, une nouvelle ère pour l'Église. C'est un peu ça le nom de baptême de ce programme, une nouvelle ère pour l'Église. Dieu, Dieu veut Dieu t'introduire veut dans une nouvelle ère. C'est ça la vérité. Le Seigneur veut t'introduire dans une nouvelle ère mais la responsabilité de ton déplacement jusqu'à l'église, en quoi bon, t'incombe. C'est à toi de décider. Est-ce que je dois aller Est-ce que je ne dois pas aller Est-ce que le rassemblement de ces trois, de ces quatre géants, de ces quatre prophètes, oh mon Dieu, est-ce que leur rassemblement est une utilité existentielle pour moi À toi de voir, à toi de juger. Je dis la vérité. Quatre manteaux viendront ensemble. Ce samedi 2 octobre à partir de 9h à la bir en Quaba. Quatre alliances puissantes viendront ensemble. Voilà pourquoi le peuple de Dieu doit massivement sortir de partout pour venir profiter et bénéficier de la grâce que Dieu veut libérer dans la vie de son église et de son peuple. Voyez. Donc vraiment si on vous met à choisir entre suivre ces programmes à la télé ou à travers les réseaux sociaux. Et être sur place, vous savez bien entendu que être sur place, c'est plus avantageux que suivre à travers les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Donc il y a une nouvelle ère pour l'Église de Dieu qui est en train d'être introduite. Et nous pleurons devant Dieu et nous languissons devant le Père des Esprits des Prophètes pour que nos yeux contemplent ces choses. Et Dieu nous a envoyés comme des pionniers pour apporter. Cela pour, c'est-à-dire allumer la lueur de ce réveil dans ton cœur. C'est pour cela que mon ami, tu ne dois pas être absent. Il faut absolument que tu sois présent. Donc, nous serons là, prophète le prophète le Leslie Samuel, le prophète Lonti Samuel, moi-même, nous serons là en personne pour te bénir. Oui, nous serons là en personne pour nous rassurer que les forteresses les plus résistantes de ta vie se mettent à genoux devant toi. Les forteresses qui s'attaquent à ta vie, à ta famille et à tes finances. Que ces forteresses se mettent à genoux devant toi. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchis, dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Nous croyons en cela. Donc il y a quatre manteaux que Dieu rassemblera. Je vous dis la vérité, c'est des événements rares. C'est des événements rares dans le cirque spirituel. Non, non. Dans le cycle, les cycles spirituels, c'est des événements rares. Vois quatre manteaux. Quatre prophètes majeurs, je vous ai dit que même dans la Bible, c'était un miracle de voir des prophètes, des hommes de Dieu indépendants se mettre ensemble pour défendre une cause. C'est rare. C'est rare. Donc tous les décrets de l'ennemi contre ta vie, ta famille, ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta relation avec Dieu, ta vie spirituelle, ta marche avec Dieu, ton ministère. Voilà pourquoi je me tiens ici sur cette plateforme pour inviter. Tous les hommes de Dieu qui me regardent, vraiment bien-aimés, si vous avez un problème et vous attendez un miracle, voici l'occasion rêvée d'être là. Vous voyez, c'est parfois compliqué de dire Ok, je vais aller à Réma, après je vais aller à la communauté missionnaire de réveil, après je vais aller sur le prophète Lantier, après je vais aller sur le prophète Leslie. Non, c'est compliqué. Mais les quatre, Dieu les rassemble, tu t'assois seulement, tu as les quatre onctions sur place. En quelques heures, le Seigneur peut faire dans ta vie ce que tu n'as pas pu faire pendant des années. La gloire et la grâce de Dieu seront au rendez-vous ce samedi à partir de 9h à la bire, en Kouaban. Quand vous êtes au Carrefour, Kouaban, prenez tout simplement un taxi, demandez qu'on vous, vous amène à la bire. Tout le monde connaît. Quand vous, vous amène à la bire et la main de Dieu sera avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit votre partage dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Donc, euh, mes amis, vous savez, lorsque Dieu aime une personne, lorsque Dieu aime une génération, il suffit des manteaux spécifiques pour résoudre des problèmes spécifiques dans sa génération. Nous allons revenir euh, sur des faits réels, sur des réalités concernant l'Église, les hommes de Dieu. Je vais m'appuyer sur les réalités camerounaises. Et vous qui êtes dans d'autres nations, vous nous direz si c'est la même chose que vous vivez aussi là-bas, si c'est la même atmosphère qui règne chez vous là-bas. Donc voilà, que Dieu te bénisse dans le nom souverain. De Jésus-Christ, de Nazareth, tu dis Amen et tu reçois. Envoyons les cœurs s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum. Partageons-la. Alors, ce matin, nous allons parler de cela. On va parler euh, de l'histoire de l'empoisonnement de des hommes de Dieu. L'histoire de l'empoisonnement des hommes de Dieu et l'empoisonnement parmi les hommes de Dieu. Parce enfin, que c'est deux choses différentes. On va voir cela. Vous voyez, on va entrer un peu dans cela. Mais il faut savoir déjà que... Euh, le Seigneur nous a parlé aux quatre forgerons qu'il y a tellement de combats, tellement de combats dans la vie des frères et des sœurs. que le diable s'est levé contre l'église de Dieu. Et ce samedi sera une journée de délivrance. Ça veut dire que les brèches seront battues. Les brèches seront battues. Les verrous de fer seront brisés. Les portes en fer seront détruites par les décrets prophétiques. Il y aura quatre bouches ouintes pour parler dans ta vie. Non, sincèrement. Dis-moi où le diable passera pour échapper. Où ton problème passera pour ne pas avoir une solution? Non, sincèrement. Comme lorsque nous étions sur le prophète Leslie le mois passé, euh, je vois sur le prophète Lanti Samuel qui l'a dit. Si quelque chose échappe à mon manteau, le manteau au prophète Leslie ne va pas laisser passer cela. Si ça échappe au manteau du prophète le manteau du prophète Lanti ne va pas laisser passer cela. Si ça échappe au manteau du prophète Lanti, non, le manteau au prophète défaut ne va pas laisser passer cela. Donc, pour dire quoi? Il y a quatre généraux qui se rassembleront pour ta délivrance et ta bénédiction. Tout ce que Dieu te demande, prends ta voiture, ou demande ta voiture, ou bien prends ton taxi ou ta moto, rends toi à la bière, à ta place, attends. Assois-toi et regarde. Sois là très tôt. Sois là très tôt, s'il te plaît. Et je vais dire à tous nos enfants qui sont connectés, ne jouez pas avec cette occasion. Connectez-vous par milliers. Ce samedi à partir de 9h. Mais déjà ta connexion ne rate pas un seul instant de ce moment spécifique et spécial pour ta vie et pour notre vie aussi. À nos dons et tous les hommes de Dieu. Je vous dis la vérité, il n'y a pas plus grande occasion. Pour tous les hommes de Dieu, de la même généalogie prophétique que nous, la même généalogie spirituelle que nous, s'il vous plaît, vous êtes dans n'importe quelle ville du Cameroun, prends ta voiture, prends ton transport, viens à Yaoundé. Ce samedi ne manque pas. Il y a des gens qui vont quitter de partout, qui vont voyager. Il y a des gens qui m'ont écrit sur Messenger qu'ils vont voyager pour venir assister. Après cela, tu rentres chez toi. Ce n'est pas toute la journée. Non. Ce n'est pas toute la journée. Ce n'est pas un programme qui va faire toute la journée. Au plus tard, 14 heures, là, on aura fini. Tout le monde va rentrer chez lui. Donc, c'est très, très important, mes bien-aimés, d'être là pour ce programme. Que Dieu te bénisse. Maintenant, j'ai commencé une affaire hier. Et je veux continuer avec cette affaire aujourd'hui. On va regarder sur certains problèmes qui se passent à l'église. Hier, je vous ai parlé d'une chose. Vous voyez, mes amis. L'église. Est devenu comme une jungle aujourd'hui. C'est un milieu dangereux. Bon, c'est malheureux de le dire, mais cependant, c'est la vérité. L'Église est devenue un milieu très très dangereux. Je vous dis la vérité. L'Église est un milieu dangereux. Et le milieu des hommes de Dieu est devenu très dangereux. qui s'est crispé. Il s'est crispé. C'est-à-dire que quand vous regardez au Cameroun aujourd'hui, <laughs> l'affaire si est dangereuse. L'affaire c'est très dangereuse. Je me souviens encore que j'étais allé à un deuil. Quand je suis arrivé à ce deuil, euh, c'était un homme de Dieu qui était mort et je suis arrivé là-bas pour compatir avec son épouse. Et je m'étais assis à l'extérieur de la salle. Et il y avait des intervenants à l'intérieur et nous suivions ce qui se passait. Parce qu'il y avait les baflées dehors. Et il y a un intervenant qui se met à parler mal d'un homme de Dieu dans cette ville. Alors, il y a ce jeune homme de Dieu là. Et bon, je veux parler, à ce prophète défaut. Le c'est mis à mal parler du prophète défaut. Lors d'un deuil. Ah, il y a un jeune prophète là, Mendon, vraiment, parce qu'il rassemble des milliers de personnes, il se vante, vraiment, il est renfermé sur lui-même, etc., etc. Et il a dit des choses qui n'étaient pas gentilles. Et puis, moi, je me suis posé la question que, mais nous sommes venus pour un deuil. Pourquoi parler de quelqu'un Où est le rapport entre le prophète défaut et le deuil ou le rapport. Donc, je me suis levé, j'ai mes enfants, ok, on va partir. Et nous sommes partis, vous voyez. Donc, en fait, c'est un peu ça, l'histoire de l'église au Cameroun. L'église aujourd'hui est. C'est-à-dire que certains hommes de Dieu sont tellement frustrés euh, que c'est difficile pour eux de faire un culte sans maudire homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont. Non, 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 non. Non, bébé, s'il te plaît. Hein? Je t'aime, mon amour. Regarde, regarde. Je finis, après, on sera ensemble, d'accord hein? Je te fais un câlin alors. Je t'aime. Oh, oh. Je t'aime. Tout à l'heure, ne piétine plus ça, OK? Fais attention, s'il te plaît. Donc, donc, je disais que, excusez-moi, c'est ma princesse. Donc, vous voyez, les hommes, certains hommes de Dieu, il est difficile. C'est-à-dire qu'il prend la Bible comme ça, il prêche la Bible sans mentionner sa frustration vis-à-vis d'un autre homme de Dieu, sans insulter un autre homme de Dieu. Hier, je vous ai dit une chose. Lorsque vous arrivez dans une église où l'homme de Dieu, tous ses messages... C'est de parler des autres hommes de Dieu contre d'autres hommes de Dieu. C'est de fustiger d'autres hommes de Dieu, d'insulter d'autres hommes de Dieu. Il dit que tel est sorcier, tel est menteur, tel est voleur, telle est telle chose. Demandez à ces pasteurs là que quand ils pratiquaient la sorcellerie, est-ce que tu étais là Ouais. Les gens ne craignent pas la parole de Dieu. Ne craignent pas Dieu. La Bible dit Tu ne porteras pas le faux témoignage contre ton prochain. Tout homme de Dieu qui craint Dieu respectera la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Moi, je ne peux pas. C'est Et vous voyez, lorsque j'ai réfléchi à la question, je me suis rendu compte que les hommes de Dieu qui se comportent ainsi sont frustrés. Ça dit, leur ministère ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et je vous ai dit hier que ton ministère est à l'image de ton cœur. Si ton cœur est noir, ton ministère sera noir comme ton cœur. C'est ça la vérité. Ouais. On n'a pas de raison d'être jaloux. Si nous servons le même Seigneur, on est dans la même armée, non. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Maintenant, quand Dieu fait même grâce, il y a des travailleurs. Vous connaissez que dans la parabole des talents, on a donné des talents, d'autres sont allés multiplier. Ce n'est pas Dieu qui a multiplié les talents pour eux. Non, ils ont travaillé, leurs talents se sont multipliés. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé des voies et moyens pour que leurs talents multiplient. Et quand le maître est revenu, ils ont multiplié, ils ont donné le résultat, ils avaient travaillé, ils avaient avancé. Donc la vraie magie, c'est le travail. En tant qu'homme de Dieu, quand Dieu t'appelle, il faut travailler. C'est important. Pourquoi les gens pensent-ils toujours que lorsqu'un homme de Dieu réussit, c'est-à-dire que c'est la sorcellerie, l'a trempé, trempé même dans quoi la sauce d'arachide ou, ou le pépé soupe. Trempé dans quoi C'est ça la vérité. Donc et cette jalousie est à l'origine des empoisonnements que nous avons aujourd'hui parmi les hommes de Dieu. Elle est à l'origine de ces empoisonnements. Je me souviens d'un jeune homme de Dieu, euh, du côté de, 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 de Golf, Golf, un homme de Dieu que j'aimais beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, je pleure le deuil de cet homme de Dieu. C'est jeune homme de Dieu. À l'époque, moi, je vendais les CD sur l'islamologie. Et je suis arrivé chez lui. La manière dont l'homme de Dieu m'a accueilli, il n'a pas regardé que non, le jeune homme, c'était un va pied vraiment. Eh, il était maigrichon, squelettique, eh, aspect local, morbide. Non, il n'a pas regardé à tout cela. Il m'a accueilli. On a bavardé, on a partagé, on a pris ensemble. C'était la communion entre nous. Et on s'est perdu de vue pendant quelques mois. Après cela, je suis reparti là-bas. Parce qu'il me manquait. Je suis allé pour que nous passions une journée ensemble. Et lorsque je suis arrivé, on m'a dit qu'il est mort. On l'appelait le, le prophète Ekene. Et à moins un, ça allait être mon homonyme. Le prophète Ekene. Peut-être qu'il y en a ici-là qui, qui connaissent euh, cet homme de Dieu. Du côté du golfe là-bas, vers le palais des congrès. On m'a dit qu'il est mort. J'ai dit comment On m'a dit qu'on l'a empoisonné. On l'a empoisonné. Qu Qu qui l'a empoisonné, qu'est-ce qui s'est passé? Il était célibataire. Il y avait donc des jeunes sœurs à l'église qui le discutaient. Et puis, il y a une jeune sœur qui a dit, ok, bon, comme c'est comme ça, oui, il avait choisi une. L'autre a dit, ok, nous allons alors tous perdre, là, on va tout perdre, ce garçon. Et puis, on l'a empoisonné, il est mort. il est parti. C'est ça la vérité. Et il est mort comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je pleure. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le prophète Franck C'est hmm? ce qui s'est passé avec le prophète Franck. Nous, nous avons reçu des témoignages palpables de personnes de son entourage qu'il a été empoisonné. Il a été empoisonné, c'est ça la vérité. Il est venu à Yaoundé pour une réunion et puis en, il a mangé, il a bu et en partant, pam, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, pam, il est mort. C'était un empoisonnement, ça, on nous envoie des audios. Moi j'ai suivi des audios qu'on m'a envoyés venant des de personnes qui étaient dans son intimité, des déclarations que lui-même avait faites. Vous voyez Donc il a été empoisonné. Et il y a plein d'autres hommes de Dieu dans notre nation qui sont morts par empoisonnement. Hein? Il y a les gens qui, qui. Beaucoup qui sont morts par empoisonnement. Maintenant, on se pose la question qu'est-ce qui se passe donc entre les hommes de Dieu Ça veut dire que tu ne peux pas aller à une fête des hommes de Dieu normalement. Et puis chacun a peur maintenant. On est un peu prudent. On est prudent. C'est-à-dire quand on t'invite, on dit que c'est une rencontre de pasteur, mon ami, tu tiens ton cœur dans ta main. Tu fais attention, tu, tu réfléchis. Et comment ça va se passer là-bas? Parce que tu ne sais pas. Tu as dit, quand tu entends certains hommes de Dieu parler mal d'autres hommes de Dieu, tu sens que le type, s'il a le pistolet en main, il va tirer. Non, 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 il va tirer. Il va tirer. Il y a des hommes de Dieu, tu entends comment ils parlent d'un autre prophète avec amertume. Tu sens que l'homme, s'il a le poison, il va mettre dans le vin. Parce que c'est la haine. C'est la haine qui amène d'autres empoisonner d'autres personnes. C'est la haine et la jalousie. Et la jalousie, pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à faire ce que l'autre fait. Ou parfois même sur des choses banales. Sincèrement. Bon, supposons même que tu empoisonnes un homme de Dieu et qu'il meurt. Et après, quoi Après quoi Après, tu vas bénéficier de quoi tu vas... Ça va t'ajouter quoi, sincèrement Si ce n'est pas la malédiction dans ta vie, ça va t'ajouter quoi Bon, Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans une situation où des hommes de Dieu, quelqu'un qui s'appelle homme de Dieu, je dis ça entre guillemets, Peut mettre le poison dans le repas d'un autre homme de Dieu, ça signifie quoi? Quel en est le sens? J'ai raconté l'histoire euh, de l'histoire parce que quand on parle d'empoisonnement, là, les gens... <coughs> les gens prennent ça à la légère, c'est grave. Moi, j'ai parlé de mon histoire personnelle, j'ai parlé, de... je vous ai partagé l'expérience de ce jeune euh, homme de Dieu qui est allé voir une soeur qui faisait mon petit déjeuner. Vous voyez, il y a des erreurs qu'on a commises au début du ministère. Hein? On grandit tous les jours dans l'affaire-ci. Je vous dis la vérité, on grandit tous les jours. Il y a des choses qu'on peut plus faire. <coughs> Jamais. Vous savez, dans notre ministère, au début, nous avions ce que nous appelons la fête des pasteurs. La fête des pasteurs, c'était quoi C'était euh, une fois par mois. C'était par mois ou bien tous les trois mois. Je ne me souviens plus bien. Alors, les gens apportaient à manger, à boire pour moi. C'est-à-dire pour le visionnaire. C'était pour célébrer l'homme de Dieu. La grâce, de. don on est. En fait, je voulais amener les gens à comprendre. Comment célébrer les hommes de Dieu comme étant un don de Dieu? Parce que nous sommes un don de Dieu selon Ephésiens 4 pour vous. Il t'a monté, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes et tout ça. Pour l'édification du corps de Christ. Donc, ton pasteur est un don de Dieu pour toi. C'est un cadeau de Dieu pour toi. Tant que tu ne comprends pas que ton pasteur est ton cadeau, un cadeau que Dieu t'a donné. Mon ami, tu ne pourras pas honorer ton pasteur. Tu ne pourras pas célébrer des hommes de Dieu. Les francophones sont loin derrière. À ce qui concerne la célébration des hommes de Dieu. Nous ne connaissons pas célébrer nos hommes de Dieu. Je dis la vérité. Nous ne connaissons pas. Pourquoi Parce qu'on ne les perçoit pas comme un don, comme un cadeau de Dieu. C'est ça la réalité. Peu sont les francophones qui ont compris que leur homme de Dieu, ça veut dire que c'est un don de Dieu pour leur bénédiction. C'est un don de Dieu pour leur sécurité. C'est un don de Dieu pour leur prospérité. C'est un don de Dieu pour leur salut. C'est important de le savoir. C'est un don de Dieu pour leur salut. Donc, euh, il, il, ce jeune homme, cette jeune femme est venue, elle m'a vu un jour, elle m'a dit que, prophète, Dieu m'a dit de faire votre petit déjeuner. à l'époque, j'ai accepté. J'étais encore naïf. J'ai accepté. Et donc, elle a porté à manger, ça dit, les sandwiches, la charge elle me donne. Et je pense que j'ai mangé ça une ou deux fois. J'ai mangé. Aujourd'hui, je ne peux plus jamais commettre cette erreur-là. Jamais. Le déo a les dents. C'est mauvais déo. C'est dangereux. Quelqu'un rit avec toi comme ça là, en fait c'est pas, ne vous fiez pas au rire. Hein. La saison si on ne regarde pas les rires, non, le cœur, le cœur, ça Dieu voit le cœur, le cœur. C'est-à-dire au lieu de voir le rire, hein, à demander Dieu, demande à Dieu de connaître le cœur de celui qui rit avec toi là. C'est ça la vérité. Non non la gentillesse, le rire et tout ça là, c'est zéro, c'est les bêtises. Hum? Aujourd'hui pourquoi ton ennemi t'atteigne, il cherche l'amitié avec toi. Donc quand ils ont je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir que cette femme faisait mon petit déjeuner, ils sont allés voir la dame pour lui expliquer qu'un bon, comme toi, tu fais le petit déjeuner au prophète là, nous voulons que tu l'empoisonnes. Et on te propose, c'était un million et demi. Elle leur a dit, non, un million et demi là, c'est petit. Deux millions. C'était deux millions, deux millions et demi. Ils ont discuté, discuté. Elle dit qu'ils sont partis. Le femme a Séné et est témoin de cette affaire. C'est à sa femme d'abord que la dame a confessé, et c'est lui qui est venu me dire. Et je suis allé et j'ai écouté de mes propres oreilles, de mes propres oreilles, mes bien-aimés, de la bouche de la concernée. Elle leur a dit "Vous voyez, vous-même, un prophète comme ça, je l'empoisonne à un million et demi. Comment Au moins deux millions et demi. Les gars sont partis, ils sont revenus le lendemain pour dire à la dame, pour insister que c'est trop cher." Hein? 1 million, 2 millions, 2 millions aussi. On peut mettre de ça à 2 millions, encore on peut se battre, encore compléter ça à 2 millions. Les hommes de Dieu. Et quel homme de Dieu même Quelqu'un que nous avions honoré, reçu dans notre assemblée. Et après, elle dit non, vraiment. Après, elle a compris que ce n'était pas bon. Elle leur a versé l'eau. Elle a dit, je ne veux pas l'empoisonner, je refuse. Et elle a, elle a confessé cela. C'est ça la réalité de l'église aujourd'hui. Vous voyez <coughs> Hmm. La maison de Dieu est devenue une autre affaire. Une autre affaire. Je vous ai dit une chose. Quand vous entrez dans une église, le pasteur ne vous prêche pas Christ ou l'apôtre ou le prophète ou je ne sais pas quoi, l'évêque. Il prêche plutôt contre les hommes de Dieu. Il cible les hommes de Dieu. Tel est sorcier, tel est monté. Demandez-lui avec respect la preuve. Demandez-lui la preuve. S'il ne vous apporte pas la preuve, ça veut dire qu'il ne vous porte pas dans sa voiture comme je me souviens, euh, je me souviens à l'époque, au début de mon ministère. Au début de mon ministère, quelque chose s'est passé. J'avais des, des jeunes gens que j'avais pris. Et je leur ai dit, venons, on va travailler ensemble. Et je les ai l'autre, j'ai fait de lui le pasteur résident. Nous partions présenter l'émission sur le prophète Kamdem Djénodor. On partait présenter l'émission à Dunamis à l'époque. Je vais l'émission là-bas. Je partais avec eux là-bas. Ce prophète, Camdem. On présentait l'émission là-bas, ensemble. Un jour, quand nous sommes arrivés là-bas, à la cathédrale de la foi, ils m'ont dit que normalement, on ne devrait pas venir faire l'émission ici. Non, on était sortis, on rentrait. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils me disent qu'en fait, le docteur Camdem, c'est un sorcier. Et il a enterré au milieu de son église un nourrisson, un bébé. Il a enterré un bébé dans son église. À l'hôtel. Au niveau de l'hôtel où il s'assoit. Mm -hmm. Et je leur ai dit ceci. Euh, vous étiez là Ils m'ont dit non. Euh, celui qui vous a raconté ça était là euh, Non. Mais il a eu ça d'une source sûre, de quelqu'un qui est proche du prophète. Et j'ai demandé que est-ce que la personne qui était proche du prophète était donc à la cérémonie de l'enterrement de ce bébé Ils n'ont rien dit. Je leur ai dit :« C'est écoutez bien. Comment ne craignez-vous pas l'Éternel Comment ne vous dites-vous pas Et si cette histoire est fausse, est-ce que ce n'est pas un faux témoignage que je suis en train de rendre contre un homme de Dieu N'est-il pas écrit :« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ?» N'est-il pas écrit, tu méditeras pour le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi je, lui ai, je leur ai demandé, je leur ai dit écoutez, devant Dieu qui voit dans le secret, si ce que vous racontez ici si est faux, vous êtes sous la malédiction. Ils n'ont plus jamais abordé l'histoire du prophète Kamdem chez moi. Quand ils ont quitté notre ministère, ils m'ont fait ce qu'ils m'ont fait là. C'est sur le prophète Kamdem qui sont retournés faire des émissions contre moi. Mais ils ont oublié que c'est la même personne qu'ils avaient traité de sorcière. Hein? C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir des amis. Les amis sont devenus rares. C'est une espèce menacée en voie de disparition. Peut-être qu'elle a même disparu. C'est-à-dire que les rescapés dans l'espèce des amis, ils sont rares aujourd'hui. C'est-à-dire que pour trouver des amis à en l'état en état nature, c'est compliqué aujourd'hui. Hein? Les mêmes personnes qui ont dit, qui m'ont raconté. Qui m'ont raconté que le prophète Kamdem, c'est un sorcier, il a enterré un enfant dans son église. C'est les mêmes personnes qui vont aller le voir pour sourire avec lui et lui dire que moi je suis un sorcier et toutes leurs émissions étaient contre moi. Ça produit quoi? Leur église est où? On ne peut pas bâtir l'œuvre de Dieu avec la haine, avec la jalousie, avec les calomnies, les médisances. Ça, c'est les œuvres du diable, c'est les miracles qui accompagnent ceux avec qui Dieu ne marche pas. La calomnie leur disant tout ça, les hommes de Dieu qui n'ont plus le temps pour prêcher, ils ont perdu Dieu depuis longtemps, ils n'ont pas de vision, ils ont été aveuglés par leur péché. Maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire pour attirer les gens, c'est de montrer aux, autres que les, aux gens que les autres sont des satanistes, et donc, par ricochet, par analogie, que ce sont eux qui sont les vrais hommes de Dieu. Donc, vous pensez que pour que moi j'attire les gens dans mon ministère, il faut que je puisse saboter tout le monde pour que les gens se disent que okay, la seule porte, de salut, c'est cet homme-ci, la, la seule source sûre, c'est cet homme-ci. Les gens ne sont plus bêtes comme avant. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens sont intelligents. J'ai l'habitude de dire que ces personnes à qui nous prêchons l'évangile, même quand on s'assoit, ils on parle là, il y a des personnes parmi elles qui sont plus âgées que nous, qui sont plus intelligentes que nous, qui sont plus diplômées que nous, qui connaissent les sujets de la vie plus que nous. c'est pas parce que je me tiens devant toi pour te parler de Jésus que je suis supérieur à toi. Je suis supérieur à toi en rien. C'est juste un don que Dieu m'a donné. D'être ton berger. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que toi, ou je suis plus riche que toi, ou que je maîtrise plus les rouages de la vie que toi. Mais il faut se, il faut, ça, il faut se détromper à ce qui concerne cela. C'est ça le problème, c'est ça la réalité. Hein? C'est ça la réalité. Moi, il m'a été carrément dit. Il m'a été dit. Hein? Il m'a été dit. Bon, peut-être que euh, les gens peuvent nous donner la vraie version. C'est qu'on m'a expliqué. C'est qu'on m'a expliqué sur la mort du prophète Eric. Il n'était pas malade. On m'a dit que il, le matin, il essaie d'ouvrir sa porte. Hein? Il essaie d'ouvrir sa porte et il est tombé devant sa porte. Et que son corps, euh, son corps est tombé en désuétude rapidement dans les heures qui suivaient. Et qu'on soupçonne que c'est un empoisonnement. Hein? On soupçonne qu'il a été empoisonné. Vous voyez. Donc, c'est des caractéristiques, euh, des caractéristiques euh, euh, sur son corps qui ont fait penser à un empoisonnement. Le fait qu'il soit rentré certainement, en enfin, c'est le voisin qui l'ont découvert. Ça, c'est la version qui m'a été donnée. Donc, si vous avez une autre version, s'il vous plaît, ou bien que vous croyez, vous avez été là-bas, pouvez confirmer cette version ou bien nous donner la vraie version. Si celle que je donne n'est pas vraiment, elle est euh, de source. Est une personne qui est euh, quelqu'un euh, qui est comme un parent à eux. C'est des sources sûres dans tous les cas. Donc, et là, directement, la thèse d'un empoisonnement est sortie. Immédiatement, la thèse de l'empoisonnement a commencé et puis que quelqu'un meurt et du coup son corps commence à se décomposer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire quoi? Si c'est un empoisonnement, ça veut dire, mes amis, que on est, on est, on est, on est fini. On est fini. C'est mauvais. Ça veut dire que c'est mauvais. Pourquoi? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu vas empoisonner quelqu'un, tu le tues, tu vas passer son église? Vous n'avez pas les mêmes dons. On n'a pas la même vocation. On n'a pas les mêmes capacités spirituelles. Si je meurs aujourd'hui, tu ne peux pas diriger Rema. Ce n'est pas possible, mon ami. You cannot. Il faut la grâce que j'ai. Il faut le manteau que j'ai. Il faut la vocation que j'ai. Il faut l'appel que j'ai pour te dire le ministère que j'ai. Toi aussi, il te faut le don que tu as. Le manteau que tu as, la vocation que tu as, l'alliance que tu as pour gérer le ministère que tu as. C'est ça la triste réalité. Hein? Vous pensez que souhaiter la mort d'un autre homme de Dieu, c'est ça qui a fait que ton ministère grandisse Non. J'ai toujours l'habitude de dire que si de son vivant, tu as été médiocre, après sa mort, tu seras toujours médiocre. Maintenant, ces choses-là vous amènent parfois à réfléchir. Et vous vous recroqueviez sur vous-même. Vous faites attention. On t'invite, mon ami, tu pars avec ton micro. Tu vas avec ton eau. Tu vas avec ta nourriture parce que tu ne sais pas qui est qui. On, il y a une vidéo qui est devenue virale sur Facebook là. Un monsieur dans un bar avec deux filles. Et il se, il se déplace là. Il y a une fille qui lance le poison. Heureusement, les vidéos. Les, 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 comment dire cela Les gars la sécurité ont vu ça. Ils sont venus dire au oh, monsieur que ne, ne buvez pas. Hein? Mais il faut faire attention, mes amis. Il faut faire attention. Regardez, je vais vous enseigner une sagesse aujourd'hui. Je partage une sagesse biblique. Hein. Ça, c'est une sagesse très biblique. Une sagesse extrêmement, exclusivement biblique. Si tu mets ce commandement en pratique, tu seras heureux. On, on, ça dit qu'on n'est plus en sécurité nulle part. On n'est en sécurité nulle part. Nulle part. Nulle part. Sincèrement, nulle part. Nulle part. Un jour, une sœur m'a. Écrit que vraiment, papa, je suis quelque part dans une église. La conférence, c'est vous et le prophète Kamdem. C'est-à-dire que le prophète Khalifa le prophète Kamdem, sorcier. Sincèrement. Le pays, si en train de devenir une terre maudite pour les prophètes. La nation, si. Et je vous ai expliqué, il y a des choses qu'on vous explique, vous ne comprenez pas. Hein La nation, si. Il y a des hommes de Dieu qui sont peut-être tombés par jugement de Dieu. Il y en a aussi qui sont tombés parce que Dieu a jugé que le Cameroun n'était pas digne d'eux. Le Cameroun n'était pas digne d'eux. Il a repris ses serviteurs. Parce que la nation n'a pas reconnu leur valeur. C'est ça aussi la vérité. Il faut que les gens comprennent cela. Non, c'est très sérieux. Hein? Il faut que les gens comprennent ça. Il y en a que Dieu a rappelé. Parce qu'il a trouvé que la nation n'était pas digne de les recevoir. On ne les a pas honorés. Comme cela se devait. Dieu a repris son don au ciel. Il leur a dit, revenez vous reposer. Venez moi, mais je vais prendre soin de vous ici. C'est ça la réalité. Hmm. Hmm. Vous regardez par exemple, nous parlons. Hein? Laissez l'histoire de jalousie, de haine ou se monter, se descendre. On parle du prophète Genod Camden. Vous comprenez? On parle de cet homme. Maintenant, vous regardez en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est une honte. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Combien de prophètes de Côte d'Ivoire, vous avez vu qui fuient la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs? Combien? Les Camerounais. Combien Ça dit, je m'en fous de ce que les païens disent sur lui. Ça dit qu'on l'insulte et tout. C'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. Le jour qu'ils connaîtront, Dieu se repentiront. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que ceux qui sont les enfants de Dieu disent. Plein d'hommes de Dieu se sont réjouis. Parce que cet homme est quitté, il est parti. Maintenant, en Côte d'Ivoire, Dieu est en train de le bénir là-bas. Les choses vont. Chaque homme de Dieu a ses problèmes humains. On ne juge pas un homme de Dieu sur la base de ses problèmes humains sur son humanité. C'est normal, chacun a une vie, une, un quotidien, chacun a ses défis, chacun a ses victoires et ses défaites. Mais ce n'est pas sur ça qu'on se base pour juger un homme de Dieu. On juge un homme de Dieu sur la base de la mission qu'il accomplit. C'est sur ça qu'on juge un homme de Dieu. Sur les œuvres de Christ qu'il accomplit, la mission qui lui a été confiée. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut que les gens comprennent. Regardez par exemple dans la Bible. Un prophète comme ça, je peux parler aujourd'hui, je suis très fâché. Je peux parler aujourd'hui, là, jusqu'à demain matin. Je ne m'arrête pas. Je parle jusqu'à demain matin de ces choses. Vous regardez des prophètes, par exemple. Regardez un prophète comme Samuel. Samuel qui a ramené Dieu en Israël. Samuel qui a rectifié la mauvaise manière de servir Dieu par, apportée par Ovni et Phineas. Mais la Bible dit que les enfants de Samuel étaient des impies. Tandis que Samuel est venu, il a trouvé que les enfants d'Elie étaient des impies. Et il les a remplacés. Dieu l'a appelé pour les remplacer. Ses propres enfants étaient des impies. C'était des vauriens. Donc, mais on ne peut pas juger Samuel sur ses problèmes familiaux. Non, on ne peut pas. On ne peut pas juger Samuel sur ses affaires familiaux. Ou bien le prophète, euh, le souverain sacrificateur Elie. Non. Prenez quelqu'un comme Moïse. Moïse, c'était quelqu'un quelqu de bien, l'homme selon le cœur de Dieu. L'ami de Dieu qui parlait avec Dieu face à face. Mais il faut comprendre une chose, mes amis. Moïse, est là, il avait abandonné son foyer. Moïse avait abandonné son foyer. Moïse ne prenait pas bien soin de sa femme. Il a abandonné sa femme dans sa famille. Il a même oublié qu'il était marié. C'est son beau-père. C'est son beau-père qui dit non. C'est pas sérieux. Ce pas sérieux. Il faut que tu aies épousé l'enfant, pas pour qu'elle reste à la maison chez moi. Je vais te la ramener. Son beau-père lui ramène son, sa, sa femme et ses enfants par force. Il, il les lui impose. Il les jette comme ça. Il dit, reprends ta femme. Tu ne l'as épousée pas pour qu'elle reste avec moi. Le monsieur n'avait pas le temps pour sa famille. Et aucun de ses enfants n'a hérité de son manteau. Aucun d'eux. Pourquoi Parce qu'il n'était pas qualifié. Mais il a été un très grand homme de Dieu. Deux il faut faire attention. Maintenant, le prophète, Dieu ne doit quand même. Il est parti. Les gens se sont réjouis. Ils ont Maintenant, faites donc ce qu'il faisait, ça vous dépasse. Quelqu'un a dit que la jalousie provient de l'incapacité. Faites donc ce qu'il faisait. Qui accomplit donc les choses qu'il accomplissait? Voilà que c'est resté vite. Voilà le docteur Tchallessomba qui est parti. Maintenant, les gens se réjouissent. Faisons donc ce qu'il faisait. Personne. Personne. Chacun a reçu de Dieu un don particulier. Et tant que le Cameroun ne comprend pas que la perte de ses héros doit être un deuil et non une fête, il vous dis la vérité le temps viendra. Je parle comme un prophète à Rohé et Nebi. Ou dans cette nation, vous lèverez les yeux, vous chercherez les prophètes, vous n'en trouverez plus. Dieu les enverra dans d'autres nations où on les célèbre là. Je causais hier avec un, 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 un frère, un homme de Dieu, et il me disait que c'est la vérité le genre d'impact que nous avons au Cameroun, si là, au Nigeria, les hommes de Dieu qui ont cet impact là ont des jets privés. Ils ont des jets privés. Ils ont des hôtels qu'ils ont bâtis. Ils ont des écoles, des universités construites. Avec le même, ça dit que le même, ça dit que dans la même dimension opérationnelle. Mais au Cameroun, la terre, je ne sais pas si on a eu la malchance seulement d'être des hommes de Dieu au Cameroun, ou oh, c'est une malédiction sur nous, ou oh, c'est une bénédiction. Oh. Dieu seul va nous expliquer cela. Regardez une chose, je vous parlais d'un homme, eu, le principe de eu, Écoute bien le principe de Jéhu, il peut t'aider. Donc, Jéhu, c'est qui Jéhu, en fait, Jéhu, c'est un jeune homme que Dieu va susciter pour juger la maison d'Achab, qui était un roi méchant et qui avait amené le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Alors, pendant qu'il était en train de faire l'épuration, c'était un homme très méchant et sanguinaire. C'est-à-dire, pendant qu'il tuait les membres de la famille d'Achab, la Bible dit au verset 15, étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rechab. Qui venait devant, au devant de lui, il le salua et lui dit Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien Jonadab répondit Il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. Écoutez ce que j'ai eu dit. Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Jonadab a dit oui. Laisse-moi t'expliquer quelque chose mon ami. On parle du char. Qui est-ce que tu fais monter dans ton char? Ces hommes de Dieu qui ont été empoisonnés ont fait monter des personnes dans leur char dont le cœur n'était pas sincère. La sincérité de cœur devrait être le critère pour que tu admettes quelqu'un dans ton char qui représente ta vie, ton intimité. C'est ça la vérité. Jéhu était un homme de principe. C'était un homme de principe. Il n'admettait personne dans son char jusqu'à ce qu'il se rende compte que le cœur de la personne est sincère envers lui, comme lui était sincère. Vous voyez, ce qui tue beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que tu ne peux pas évoluer lorsque tu es sincère envers les gens qui ne sont pas sincères envers toi. Et trouver des personnes qui ont la même sincérité de cœur que toi. C'est ça la clé du succès. Le vrai ami, c'est celui avec qui tu es sincère qui est aussi sincère avec toi au même titre. Mais c'est difficile d'avoir des personnes sincères aujourd'hui. Et, et Jésus demande à Abinadab, à Jonadab est-ce que tu es sincère Maintenant, Jonadab, c'est qui Il faut bien comprendre qui était Jonadab. Vous voyez Jonadab, la Bible dit que c'était le fils de Rekab. Et Jonadab était le fondateur du clan des Rekabites. Hein le clan des Recabites dont le prophète Jérémie a parlé. Les récabites, c'était une tribu madianite qui était venue habiter avec Moïse à l'époque de Moïse et donc qui s'était développée en Israël. Mais les Recabites, le mot Recab en hébreu veut dire euh, voyageur ou bien nomade. Donc c'était des personnes qui vivaient sous des tentes. Dans les récabites, vous verrez que lors de la déportation de Judas, l'époque du prophète Jérémie. Les récabites n'ont pas été menés en déportation. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne bâtissaient pas de maisons Ils n'ensemençaient ils pas le, la terre. Ils ne cultivaient pas de champs. Ils ne possédaient pas de possessions parmi les hommes. Toutes leurs possessions, c'était leurs troupeaux et leurs tentes. Donc ils ne construisaient pas de maisons Ça fait que lorsque les ennemis d'Israël sont venus pour amener Israël en à, 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 à otage, je pense que c'est dans Jérémie 35 ou Jérémie 32. Lisez bien l'histoire des Recab là-bas. La Bible explique que les récabites n'ont pas été emmenés. Pourquoi? Parce que... Avant que l'ennemi n'arrive, eux, ils étaient déjà partis. Chagas a appelé Satan, il a mis sur son dos et ils sont partis. Tandis que les Israélites, eux, il fallait d'abord prendre ton frigo, tu emballes ton lit, tu débranches ton téléviseur et c'est sur la les ont alourdis et ils ont été menés en captivité. Et les récabites ne buvaient pas le vin. Ils ne buvaient pas le vin. Et Dieu les avait pris pour exemple par le prophète Jérémie pour dire à Israël, regardez comment ils sont obéissants à leur père récab. Ouais. Donc c'était des personnes de valeur. J'ai était une personne de valeur et Jonadab était une personne de valeur. C'était un récapite. c'était un récapite. Donc c'était des personnes qui se mêlaient pas de la vie sédentaire, la vie, la vie de fête. Non, c'était des sédentaires, c'était des nomades, c'était des personnes qui ne s'associaient pas à la mondanité de leur époque. Donc c'était des personnes de valeur. Jonadab était une personne de valeur et j'ai était une personne de valeur. Donc pour que tu fasses entrer quelqu'un dans ta vie, dans ta barque, bien aimé. Tu dois te rassurer que le cœur de la personne est sincère envers toi. Ce qui nous tue, c'est le manque de sincérité des personnes qui marchent avec nous. Dans tous les domaines de la vie, hein, tant que tu n'as pas de personne, une personne qui est sincère, les gens meurent parce qu'ils marchent avec des personnes qui ne sont pas sincères avec elles. Il n'y a rien de plus dangereux, de plus grave dans ta vie que lorsque tu es sincère avec une personne qui n'est pas sincère envers toi. Prenons le cas du mariage par exemple. Si tu épouses un homme, tu es sincère avec l'homme. L'homme n'est pas sincère avec toi. Mais tu es dans le problème. Ou tu épouses une femme, tu es sincère avec la femme. La femme n'est pas sincère avec toi. C'est un problème. Ou dans le cas des business, des affaires. Hein? Si tu as des employés, tu es sincère envers eux. Ils ne sont pas sincères avec toi. Tes affaires vont tomber. Ça, c'est clair. Dans le cadre du ministère, c'est la même chose. Si vous allez entourer des personnes dont le cœur n'est pas sincère avec vous, c'est la même chose. Vous allez tomber. Total. Ou, ou dans le cadre de l'amitié. J'ai eu des demandes. Il veut d'abord savoir. Il sonde le cœur. Est-ce que la personne, si, Est-ce que la personne-ci a la même sincérité que moi C'est normal. C'est tout à fait naturel. C'est prudent. C'est prudent que tu te rassures de la sincérité. C'est-à-dire que vous devez avoir le même cœur. Marche avec les personnes avec qui tu partages le même cœur. Marche avec les gens avec qui tu partages le même cœur. Marche avec les personnes qui sont sincères envers toi. J'ai eu à chercher à comprendre cela. Il a compris que dans la vie, sa sécurité vient du fait d'être entouré de personnes sincères et vraies. Des personnes sincères et vraies. Plusieurs meurent. Quelqu'un ne peut pas t'empoisonner s'il est sincère avec toi. Quelqu'un ne peut pas chercher ton malheur s'il est sincère avec toi. Non. Ce qui nous tue, c'est que nous sommes entourés de personnes qui ne sont pas sincères. C'est-à-dire que notre entourage est trouvé. Il y a même des gens qui ne se soucient même pas de leur entourage. Beaucoup ne se soucient même pas. De savoir que telle personne. Non, mon ami, tu dois passer au peigne fin. Tu dois passer au, au, au tamis. Chaque personne qui partage ta vie, chaque leader, si tu es un homme de Dieu, chaque leader, chacun de tes leaders là, va, demande à Dieu, le cœur de celui-ci c'est quoi Lorsque son cœur c'est quoi Dieu va te dire. Dieu va te monter. Demande à Dieu de te monter le cœur. de ceux qui t'entourent. C'est très important de connaître le cœur. Parce que le cœur c'est l'homme. L'homme c'est pas le sourire. L'homme c'est pas les bonnes paroles. Quelqu'un peut te parler, il te parle, tu crois que c'est la vérité, pourtant c'est un mensonge pur. Et tu prends le mensonge pour vérité. C'est ça la réalité. L'homme est ondoyant et divers. Comme le disait le philosophe, l'homme est ondoyant et divers. Diogène Laërce, le grand philosophe, lui, il en plein jour avec la langue. On lui demande Qu'est-ce que tu veux dire Je cherche l'homme. Il t'a dit Le monsieur ne comprend pas l'homme. Je veux comprendre l'homme, je veux connaître l'homme. L'homme, c'est qui L'homme est l'être, c'est-à-dire la créature la plus complexe parmi toutes les créatures de Dieu. Vous voyez donc, c'est important, j'ai se rassure d'abord. Maintenant, quand tu vas voir un homme de Dieu, vous l'invitez, il refuse de partir. Il n'est pas dans les associations des hommes de Dieu. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas l'hypocrisie. Au lieu de marcher avec les hypocrites, je préfère marcher seul. Je ne suis pas obligé d'avoir des amis. Je ne suis pas obligé. Imagine-toi que tu prends tes secrets, tu pars, tu commences à donner ça, et c'est ça qui vous tue. Ta bouche parle beaucoup, il n'y a pas de frein. Tu parles, tu confonds tes ennemis intimes à tes amis intimes. Les amis intimes sont rares aujourd'hui. Tu prends ton secret les problèmes de ton foyer, tu pars, tu donnes ça à quelqu'un que tu confonds à un ami intime. Tu es mort. Demain tu vas entendre ça ailleurs. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il t'aime et il prend les problèmes de ta maison, ou bien de ton foyer, ou je ne sais pas quoi, de ton ministère <coughs> et il va donner ça ailleurs. Et j'ai dit une chose que si tu es avec quelqu'un, tu lui donnes un secret, tu lui donnes un secret et il prend ton secret, il va y donner ça dehors. Après, tu apprends ça et il vient t'expliquer, tu comprends, tu le comprends, tu es bête. Déconnecte-toi même de ma page je connais ton nom et je te bloque. Je te signale même. Je te bloque. Peut-être je te bannis même si tu ne fais pas attention. Parce que tu es trop bête. Une personne qui prend ton secret pour aller dire à quelqu'un et venir t'expliquer que ce n'est pas ce que tu crois. Et toi, tu acceptes, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Tu es, as dit, toi, tu es vendu. Tu es. As dit, tu, es tu es condamné à échouer. Tu vas échouer dans ta vie. Tu ne vas jamais réussir. Tu, tu es bête. Je te chasse même de ma présence. Go, go, go. Bon, tu es bête. Une personne qui dit ton secret, c'est ton ennemi. Je vous ai expliqué que tu es avec quelqu'un, c'est ton ennemi. Il prend ton secret, il dit, c'est ton ennemi. Ne lui donne pas une seconde chance, c'est méchant. Et c'est ça qui tue les gens. C'est ça qui tue les gens. Tu avais un fiancé, ok, d'accord, vraiment, on est bien. Tu peux aller trouver, après de couper les reins, suis ta camarade. Et non, bébé, ce n'est pas ce que tu crois. Tu sais que je crois d'abord, quoi. Hein? Le gars, là, ding, 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 ding. ding. Après, il t'explique non, vraiment, ce n'est pas ça. Et toi aussi, bête comme tu es, tu crois. Tu donnes une seconde chance. Non, il ne mérite pas une seconde chance. Il a trahi. Il t'a trahi. Il t'a trahi. Et c'est là que nous échouons. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à prendre les bonnes décisions, les décisions fermes au bon moment. C'est ça le problème. Et, et donc, il y a des gens qui, vous savez, il y a une expérience que j'avais eue à l'école, à l'époque. J'étais encore, j'enseignais euh, au copès ici. J'enseignais au copès. Et puis il y a une situation que j'avais mal gérée. Et la nuit, la nuit, je rêve. Je rêve d'un serpent. Et le serpent est en train d'arriver, j'ai coupé la tête, dit, et la tête du serpent est partie, ça s'est cassé, j'ai laissé partir. Dieu m'a dit que tu es mort. Tu as coupé la tête du serpent, mais tu as laissé la tête s'échapper, tu devais écraser la tête. Donc il y a des situations qui sont comme un serpent dont tu coupes la tête. Mais si tu laisses la tête là s'échapper, il y a des gens, hein, la seconde fois là, il ne va pas te rater, il ne va pas te louper. C'est un peu comme si tu es marié, ton ami vient. Et j'ai eu l'habitude de vous dire que, si tu as un ami qui ne vient, que te rend visite que lorsque tu n'es pas à la maison, quand ta femme est seule à la maison, euh, mon ami, c'est pas un ami, c'est un ennemi intime. C'est un problème. Bon maintenant, tu viens trouver que ton ami est en train de tripoter ton épouse et, et il te dit non, c'est pas ça. Vraiment tu sais, c'est une faiblesse. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oh non, Joseph lui-même, est c'est -ce celui qui n'avait pas quand même un peu touché la femme de Potiphar C'est celui que le gars avait quand même juste un peu touché après. Bon. Le Seigneur a pardonné et tout, tu vois, vraiment. Voilà. Il t'explique. Et puis toi, tu dis que, ok, d'accord. Oh, ok. D'accord, je comprends. Non, c'est pas ce que tu crois, d'accord, ok. Et puis tu dis, ok. Et tu pars quand tu le laisses avoir avec ta femme. Mon ami, je t'excommunie. Si tu es membre de l'Église, je t'excommunie. Je t'excommunie, hein. Tu es fini. Je t'excommunie, on t'oublie là-bas. Tu vas moisir là-bas. Parce qu'il y a des gens, ou bien, tu as quelqu'un qui fait ta nourriture. Tu ne suis pas la personne de te vouloir t'empoisonner. Avec esprit non, non, non. Avec tu laisses savoir la personne. Il y a des gens qui laissent le serpent dans leur vie. Quand tu coupes la tête du serpent, écrase-la. Il y a des gens à qui tu ne dois pas donner une seconde chance. C'est ça la vérité. Donc mes amis, ce qui nous a tué et, et je pense que il y a quand même des signes qui prouvent que une personne n'est pas bonne pour toi. Il y a des signes. Mais voyez, nous négligeons ces choses-là pour certaines raisons personnelles qui n'ont aucun sens. Il y a la fin, c'est la destruction. Il y a des gens avec qui c'est mieux que tu te sépares au début avant que la destruction ne soit irréparable. Donc, moi, je pense que les gens doivent comprendre cela. Bien-aimés, soyons sages. J'ai eu, sois comme j'ai eu. Que la loi de J'ai eu soit ton partage. Que le principe de J'ai eu soit ton partage. Pose-toi toujours la question. Même parmi nos enfants-là, il y a des enfants où tu te méfies d'eux. Tu as vu le, le crocodile Boswanga. Hum? Donc, c'est la ménagère vient et dit l'enfant, l'enfant a 5 ans ou 4 ans. Hein? Le président Bobo demande à la ménagère. dit que, ah monsieur le président, et, et l'enfant, il a même dit que quand il grandira, il sera un jour président. Son père dit que quoi Et tout sais fait ça va. Il dit, tu as répondu quoi Elle dit que j'ai dit, tu as rien. Hein? Et il est allé voir le chef de service secret pour dire que suivez, monsieur surveillant sur écoute téléphonique, mon fils de 4 ans. Parce que le gars de quatre ans dit déjà qu'il sera un jour président. C'est ce qu'il faut faire. Hein? Ne dis pas que l'enfant a 4 ans. L'enfant a 4 ans, il peut le sortir dans une situation que tu n'imagines pas. Non, il faut faire attention. Il n'a pas vu que c'est un enfant de 4 ans que l'enfant ne comprend rien. Non, il a dit Bon, oh, suivez, -la. on a mis des caméras dans les, la chambre de l'enfant. Tous ces déplacements-là, il y avait un micro partout pour écouter C'est que son fils de 4 ans. <laughs> Toi! et qui te tue et qui me tue, c'est comme on dit qu'on n'a pas l'air que 4 ans. Les enfants de 4 ans sont dangereux aujourd'hui. Il y a déjà quelqu'un qui dit que, que, non. Moïse n'avait jamais demandé à sa femme de laver son manteau. Non. Jamais. Il n'avait jamais dit à Josué que garde moi mon bâton, si. Il n'avait jamais fait ça. Le gars dormait avec son bâton, il accroche le pied, il tient son bâton comme ça, il accroche son pied sur ça. Le gars, quand tu touches l'avant, tu dis, comment c'est comment, laisse mon bâton. Tu vois que je dors, ne touche pas mon bâton. Le gars était jaloux. Mais c'est la négligence. Quand tu négliges ton entourage, mon ami, tu risques de finir mal. Redoublons de vigilance. Les temps sont mauvais. Que Dieu te bénisse. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Donc, n'oublie pas ce samedi 2 octobre à partir de 9h à Bible le rendez-vous des quatre forgerons pour venir forger la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Et que Dieu nous préserve du mal. Que Dieu nous préserve. De tous ceux dont les cœurs ne sont pas sincères, que Dieu les expose dans ta vie au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Dimanche, on a deux grands cultes. 7h30 à Yaoundé, 16h à Douala. Ça sera extraordinaire. Nous sommes dans le mois de la prophétie. Nous allons prophétiser comme jamais. On a prophétisé. Dieu va te parler dans ta situation et révéler les choses cachées que tes ennemis ont faites dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Love you. Shalom.